Dans l'immensité de l'univers, il existait une planète appelée Krypton. Cette planète brillait comme une étoile dans l'infini. Sa civilisation était très avancée et engendra une race de super-hommes. Leur intelligence et leur force étaient tellement développées qu'elles atteignaient la perfection absolue. Mais vint le jour où des tremblements de terre allaient détruire Krypton. Les scientifiques qui la peuplaient avaient prévu le sort de la planète et ils placèrent un bébé dans une fusée et l'envoyèrent sur la Terre avant que Krypton n'explose. La fusée traversa l'espace sans encombre, atterrissant sur la Terre avec son précieux fardeau, seul survivant de Krypton. Un automobiliste trouva l'enfant, il le prit et l'emmena dans un orphelinat. Les années passèrent, l'enfant grandit et il découvrit qu'il possédait des pouvoirs et une force surnaturelle. Plus rapide qu'une fusée, plus puissant qu'une locomotive, capable de sauter par-dessus un gratte-ciel. L'enfant de Krypton était devenu l'homme de fer, Superman. Pour rester anonyme et afin d'utiliser ses fabuleux pouvoirs pour défendre la vérité et la justice, Superman avait pris l'apparence de Clark Kent, modeste reporter travaillant dans un grand journal. Kent, je désire vous voir. Je viens de recevoir une autre menace. J'arrive, monsieur White. Louise, venez tout de suite dans mon bureau. J'arrive, monsieur. Maintenant, écoutez ça. Il prévoit d'attaquer ce soir. Faites attention, bande d'idiots. Mon rayon électronasia attaquera ce soir à minuit précise. Ce sera la destruction totale pour ceux qui ne me prennent pas au sérieux. Ce n'est pas une menace en l'air. Prenez garde. Rappelez-vous, ce soir, minuit. Ce fou devient très dangereux. Kent, tu vas aider Louise à trouver une piste. Elle peut avoir besoin d'aide. Bien, monsieur. Mais patron, j'aimerais qu'on me donne la chance de faire ce scoop toute seule. C'est-à-dire... Merci. Mais Louise, il ne faut pas la laisser faire. Cette mission est trop dangereuse. Je vais vous en donner une, la plus grande histoire de destruction du monde. Et ce n'est qu'un début. Place
tâche spéciale. Le scientifique fou, dont les menaces depuis quelques jours terrorisent notre ville, vient de mettre son projet diabolique à exécution ce soir à minuit. Un mystérieux rayon a détruit le pont principal, pulvérisant voitures et piétons dans la basse rivière et faisant de nombreuses victimes. La police conseille à toute la population de rester chez elle. Ça a l'air d'être un travail pour Superman. Ce n'est pas un humain. Mes félicitations, Louise. Vous avez fait un super scoop. Merci. Mais il faut plutôt remercier Superman.